Bonjour, aujourd'hui je vous propose une tarte aux pommes en forme de rose. Donc pour cela, il vous faut 2 pommes, il vous faut 1 rouleau de pâte, de préférence feuilleté, il vous faut 1 cuillère à soupe de miel, il vous faut optionnellement de la cannelle si vous aimez et des perles de sucre, c'est très sympa par-dessus. On va commencer par couper en tranches les pommes et couper en lanière la pâte. Donc c'est très facile à réaliser. Un petit récapitulatif de ce qu'il vous faut. Et voilà, donc on fait à peu près des lanières de 3 à 4 cm. Là, nous allons prendre avec un pinceau le miel que nous allons mettre d'un côté de la pâte. À moitié. Là, nous allons mettre les pommes, donc nous allons les mettre les unes après les autres. Alors c'est très facile à faire, hein. Franchement, si vous adorez cette façon de faire, vous gênez pas. Vous voyez, j'ai mon fils qui vient me voir en même temps, il me réclame de la pomme. Donc on rabat par-dessus les pommes mises, le restant de pâte où on n'a pas mis de miel. Et nous allons tourner en faisant attention de ne pas casser la pâte. Alors ça arrive, c'est pas très grave, vous reprenez la pâte et vous continuez à tourner. Donc là, elle est prête. Vous la mettez dans un moule, alors soit en silicone, soit dans un moule, dans un ramequin, comme moi j'ai fait, parce que j'ai pas de moule silicone. Et vous la mettez à 180 degrés pendant 35 minutes. Quand c'est cuit, les voilà. On les laisse refroidir avant de démouler. Alors c'est très joli, vous voyez, la rose a bien pris. Et le cœur a très bien pris aussi. Voilà, donc mes petites roses à déguster. Abonnez-vous si vous avez aimé.